que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme enfin, une vidéo autre qu'un vlogmas. J'imagine qu'il y en a qui doivent être trop écœurés de voir apparaître des vlogmas sur ma chaîne, surtout si vous les écoutez pas. Mais je vous avais promis que je reviendrai en force après la session. La session qui est pas toujours finie, il me reste un travail à faire d'ailleurs que je devrais être en train de faire genre comme maintenant. Mais non, j'ai décidé que j'allais filmer une vidéo parce que cette semaine, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai un sac, ok? Genre, j'ai jamais autant rempli mon sac de produits terminés, ok? Il est plein à rabord. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, là, mais j'ai pas arrêté de finir des produits. Donc, je me suis dit que là, c'était vraiment le temps que je vous présente mes poubelles. Je vais faire cette vidéo-là en deux parties parce qu'oubliez ça, sinon ça va durer comme 45 minutes, c'est sûr. Donc aujourd'hui, je vous poste la partie 1 et probablement mercredi, je vais vous mettre la partie 2. Aussi, je suis un petit peu comme en dilemme, ok? Je sais comme pas trop quoi vous filmer comme vidéo. Dites-moi ce que vous préférez, si vous aimez mieux voir comme un vidéo de favori de l'année, un vidéo de favori du mois de décembre. Je sais pas trop comme lequel filmer entre les deux parce que je sais pas vraiment qu'est-ce que je vous dirais par rapport à mes favoris de l'année, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai tellement comme full parlé de plein de produits que j'ai vraiment beaucoup aimé tout au long de l'année. J'aurais peur que je radote un petit peu. Donc dites-moi si vous préférez ça ou si vous préférez juste une vidéo de favoris de décembre, parce que j'ai beaucoup de produits que j'ai découvert au mois de décembre et que j'aimerais vraiment vous parler. Donc dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Ok, donc c'est parti. J'ai aucune idée comment ça va aller. Il y a vraiment trop de choses dans mon sac. Ok, donc on va commencer par la première chose qui est mon shampoing sec de Baptiste. J'ai décidé d'essayer cette formule-là qui était le XX large volume. Je l'ai quand même aimé, mais vraiment pas pour tous les jours. J'ai trouvé que ça faisait mes cheveux vraiment crunchy. Sauf que pour les journées où je voulais avoir vraiment beaucoup de volume, je l'utilisais, donc je l'ai bien aimé pour ça. J'ai terminé, ok, ça là c'est probablement le produit que j'aime le plus dans tout mon sac, ok? C'est mon auto-bronzant Photoderme de chez Bioderma. J'en ai racheté une autre bouteille, c'est vraiment, maintenant là c'est l'auto-bronzant que j'utilise. C'est tellement facile, ok, c'est un spray. Tu fais juste sprayer ça sur le corps, c'est vraiment génial. Ça laisse pas de traces. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que c'était quand même long avant que je voie une différence. C'est sûr que là, j'étais vraiment rendue avec zéro auto-bronzant sur le corps. Je l'étais rendue vraiment avec mon teint d'hiver. Là, moi, je le sais que je suis un peu bronzée, là. Vous le voyez peut-être pas, mais je ne peux plus m'en séparer. Un autre produit pour les cheveux, j'ai terminé ça ici. J'ai tellement l'impression que ça fait 10 ans que j'ai ça. C'est de Pantene Prouvé Fixatif Cheveux Bouclés. Je pense pas que je vais le racheter. Il sentait vraiment bon, je trouvais qu'il sentait les fruits, mais pour vrai, j'ai pas trouvé qu'il était comme si extraordinaire. J'ai terminé l'amour de mon automne, qui est la chandelle Sweater Weather. Oh, ça me fait tellement penser à ma soeur, parce que j'ai découvert cette chandelle-là quand j'étais allée à Montréal, durant le mois d'octobre, chez ma soeur, et pour vrai, là, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je sais que ça fait l'odeur fait vraiment pas hiver, là, mais si je l'avais encore, je continuerais de la brûler, même si c'est l'hiver, parce qu'elle sent vraiment trop bon. On a ici un pot de crème à main répare peau sèche de chez Vaseline. J'ai acheté celle-là, en fait c'est comme mon troisième pot je pense, parce que c'est la seule crème à main qui se vend à la coop de l'université. Fait que comme je manquais tout le temps de crème à main, j'y allais jamais en acheter à la pharmacie, ben j'ai acheté celle-là. C'est pas une mauvaise crème à main, pour vrai, elle faisait la job, mais je l'aime pas. Je la trouve pas assez riche, mettons. J'ai amené mon masque pour le visage Petit Gâteau de chez Lush, que j'ai vraiment adoré d'ailleurs. Je l'ai mis, oh, ça sent tellement le gâteau au chocolat, là, tellement. Puis ton visage, ton visage sent le chocolat après que tu l'aies appliqué. C'est un masque qui est fait pour les peaux mixtes à grasse. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas remarqué vraiment de différence au niveau de ma peau, par exemple. Mais bon. J'ai terminé un autre amour de ma vie, qui est le gel douche de chez Yves Rocher. Celui-là, c'est dans l'odeur pamplemousse de Floride. Ça sent vraiment les bonbons. Puis dans tous les gels douches que j'ai essayé, c'est celui-là qui était vraiment mon préféré. J'ai terminé deux paquets de lingettes de bébé. Vous savez que maintenant, j'utilise vraiment juste ça pour me démaquiller. J'ai terminé celle de Pampers. Je me trouvais tellement drôle d'arriver comme d'acheter ça alors que le
packaging est vraiment full pour bébé. Celle-là aussi. Ça, c'est les Lancino. Celle-là, il est vraiment sale parce que c'était celle-là que je traînais comme en compétition cet été. Je l'avais juste jamais montré dans mes produits terminés. J'ai bien aimé les deux. En ce moment, j'ai racheté ceux-là. Je pensais que c'était parce que c'était ceux-là que j'aimais le plus, mais finalement, je me rends compte que celles-là, je les aimais vraiment beaucoup aussi. Pourquoi est-ce que j'utilise des lingettes de bébé? Parce que, on va se le dire, ça fonctionne aussi bien pour démaquiller que des lingettes démaquillantes et ça coûte 1000 fois moins cher. J'ai terminé, là je fais attention parce qu'il y a vraiment, c'est de l'huile, ok? Fait que c'est de l'huile de notre coco, qui est pleine de poussière aussi, donc ça fait longtemps que c'est dans mon sac. L'huile de noix de coco que j'utilise pour mes cheveux, me faire un masque dans les cheveux une fois par semaine, ça fonctionne parfaitement, là, sérieusement, genre, pis ça coûte vraiment pas cher, ça dure vraiment longtemps, tu fais juste, c'est comme, je vais le déposer là parce que c'est tout huileux là, mais la texture est comme, comment je peux dire ça? C'est vraiment durci, sauf que quand tu le frottes dans tes mains, ça devient comme de l'huile. Fait que je l'applique partout sur mes cheveux. Moi, j'en mets sur la racine aussi. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Je trouve que mes cheveux sont plus hydratés, sont moins gras vite quand j'utilise mon huile de noix de coco. Là, j'ai terminé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de thé, ok? Je sais pas quand est-ce que... Oh mon Dieu, on a pour 10 ans, là, sérieusement. Parce que j'ai vraiment pas acheté beaucoup de thé, genre depuis comme le mois de septembre. En fait, cette saison-ci, j'ai vraiment pas beaucoup acheté de thé. J'étais vraiment bonne, mais c'est aussi parce que j'étais trop pauvre. Mais, fait que j'ai décidé que j'allais finir l'été que j'avais. Donc, je m'étais dit que ce serait une bonne résolution. J'ai terminé la grande évasion biologique qui est en fait pour aider à dormir. Je l'ai pas trouvé. Comment je pose ça? J'ai pas trouvé que ça marche vraiment, là. Puis celle-là, je trouvais qu'il goûtait les médicaments, genre pour la toux. Donc, j'ai pas tant trippé. J'ai terminé menthe nord-africaine. Toutes les thés à la menthe, j'aime vraiment ça. Puis celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là, je trouve qu'il y a un petit arrière-goût comme poivré un peu. J'ai terminé mon protecteur chaleur de très aimé, que j'aime beaucoup. C'est toujours celui-là que je rachète. J'ai terminé un gros amour de ma vie aussi. J'ai eu comme beaucoup de coups de cœur dans les produits que je vais vous présenter. C'est le soin sommeil et détente de chez Pur Essentiel. Donc c'est un spray aérien que tu mets dans les quatre coins de ta chambre avant de dormir. C'est supposé t'aider comme à relaxer, c'est comme de l'aromathérapie dans le fond, c'est pour aider à passer des nuits calmes. J'ai pas trouvé que ça l'aidait vraiment à mon sommeil, mais ce que j'ai remarqué c'est que l'odeur me calme. Moi je trouve que ça sent vraiment les agrumes. Même mon chum, genre, il était là, chérie, t'as pas mis l'aromathérapie ce soir, tu sais. Il s'en rendait vraiment compte, puis moi aussi, quand que je l'avais pas, je m'en rendais vraiment compte. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas dispendieux. Tous les produits Pur Essentiel, je pense, sont autour de 20$. Et voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Savez-vous qu'est-ce que je viens de réaliser? Que mes cheveux sont vraiment... il y avait rien à faire, ok? Fait que c'est ça. J'ai terminé ici un nettoyant, c'est le gel nettoyant purifiant de chez Yves Rocher dans la gamme C'est beau végétal. Je l'ai pas vraiment aimé, j'ai pas trouvé, c'est pas le genre de nettoyant que tu te laves le visage puis tu fais comme oh, je suis propre, non, je sais pas, j'ai pas vraiment trippé puis je trouvais qu'il passait vraiment vite, ça m'en prenait vraiment beaucoup pour nettoyer mon visage puis ça moussait pas, donc je vais pas le racheter. J'ai terminé mon shampoing et mon revitalisant de Redken, donc c'est la gamme Color Extend Magnetics. Dans le fond, je les ai rachetés, j'ai essayé, je vais les présenter après, je les ai mis dans mon, je sais pas, mais j'ai essayé d'autres shampoings comme pour cheveux colorés puis j'ai vraiment détesté ça parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment celui-là que je préférais. Puis quand je les ai rachetés il y a environ comme 3 semaines, je me lave les cheveux là, puis c'est comme... c'est trop parfait, ok? Je vois vraiment la différence. Donc voilà, c'est mes shampoings préférés maintenant. Puis ils sont vraiment bons. À chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai vraiment l'impression que je suis la coiffeuse. Terminé, j'avais des échantillons comme ça ici, que j'ai reçus par la poste. C'était de Garnier Fructis Damage Eraser. Je trouve pas qu'on peut vraiment voir une différence dans un shampoing en une utilisation, mais le masque, c'est un masque que j'ai beaucoup utilisé quand mon Dieu, ça fait comme 2 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, là, je l'utilisais vraiment beaucoup, je l'avais bien aimé, mais je pense pas que c'est vraiment des produits que je vais acheter par moi-même.
J'ai terminé un autre thé qui est rouge tango. Ça, c'est plus un thé que j'aimais me faire en thé glacé, mais je vous avoue que ces temps-ci, toutes mes thés comme de la collection d'été, je les bois quand même en thé froid, en thé chaud. Qu'est-ce que ça sent? Ah, il y a plein de cheveux, c'est n'importe quoi. C'est supposé sentir la mangue, les grenades. Bon, donc ma caméra, j'ai dû prendre le temps de rechercher ma caméra, donc je suis désolée si l'angle et tout est pas pareil. Mais je vais continuer tout de suite avant qu'elle décide de lâcher encore. Donc, je vous avais parlé de Rouge Tango. On continue. Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps. J'ai fini un gel purifiant nettoyant de chez Nivea. Donc, c'est pour la peau mixte à grasse. C'était comme un exfoliant un peu, si je me rappelle bien. Là, il y avait comme il y avait une texture comme exfoliante là, avec des petits grumeaux. Je pense pas que je vais le racheter parce que je trouvais pas... Tu sais, c'était pas irritant. C'était pas too much. Sauf que j'aimais pas tellement ça comme avoir l'impression de m'exfolier la peau à tous les jours. Ici, j'ai terminé un autre gel douche de chez Yves Rocher. Ça, c'est melon d'eau du Brésil. Je l'ai pas tellement aimé. Je trouve que... En fait, je trouve qu'il mousse juste pas. Je sais pas pourquoi, là, je trouve qu'il y avait juste le pamplemousse qui moussait. J'ai terminé un autre shampoing sec, ça c'est le blush, donc de chez Baptiste. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai racheté, c'est celui que j'utilise en ce moment. J'ai terminé ma base de Baby Skin, donc c'est effaceur de pores instantané. Je l'ai beaucoup aimé, ces temps-ci, je l'ai pas racheté parce que ces temps-ci, j'utilise pas vraiment de base parce que ma peau en a pas tellement besoin. Mais par contre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que le packaging est vraiment beau, je le trouve vraiment cute. Je trouve que ça fait vraiment le travail, là. Ça vient vraiment effacer les pores, ça vient vraiment aider à faire tenir le maquillage, surtout durant les périodes plus chaudes ici au Québec. Donc voilà, puis pour vrai c'est très accessible, c'est environ 10$ pour le produit, donc ça vaudrait la peine de l'essayer si vous cherchez une bonne base. C'est une base qui est très siliconée par exemple, il faut vraiment que vous aimiez la texture. J'ai fini mon thé chai au coco de chez David Tees, donc ça c'est un 110g, ça faisait vraiment 3 ans que j'avais ça. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé le thé, mais il faut vraiment aimer le thé chai, parce que ça coûte le thé chai et la noix de coco, donc il faut vraiment aimer les deux. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ma partie numéro 1. Ma partie numéro 1. Donc c'est la vidéo que je vais uploader aujourd'hui, mais cette semaine je vais vous mettre la partie 2 parce que je voulais vraiment pas que ça soit trop long. Mon dos, mes cheveux, ils me fatiguent vraiment. J'aurais dû les attacher. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, je vous aime beaucoup, puis on se voit la prochaine fois. Bye!